Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 sur Volta de Manalta, toujours sur Cities XXL. Aujourd'hui, eh bien, nous allons travailler sur quelque chose de beaucoup plus petit que lors des 3 précédents épisodes. Et cette fois-ci, c'est promis, nous allons travailler donc sur les différents réseaux, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, si on se met en vue satellite, eh bien, vous avez différentes petites parties de réseaux un petit peu partout sur la map. Vous avez un petit... On va remettre l'interface, c'est ça, oui. Hop. Vous avez... Ok. Well. Vous avez un petit bout d'autoroute ici. Un bout d'autoroute un petit peu plus long, juste là. Des voies de chemin de fer qui partent de la gare. Il n'y en a pas, je crois, qui vont jusque sur cette île-là. En revanche, vous en avez... Tac. Une qui traverse notre grand, le quartier que nous avons fait en fait dans le précédent épisode. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est de relier tout ça. Donc on va essentiellement faire l'autoroute qui devrait passer comme ceci, les voies de chemin de fer qui devraient passer juste ici et revenir au moins sur la gare et se prolonger eh bien par ici, notamment via l'endroit où se situera le futur aéroport. Ça c'est une chose, certainement qu'une voie de chemin de fer ira aussi sur cette petite île que l'on aménagera dans l'un des deux prochains épisodes. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. On s'attaquera également un petit peu au transport en commun, on a déjà fait un petit peu de choses là-dessus avec la construction du tramway, mais notre ligne de tramway pour le moment ne va pas jusqu'à notre nouveau quartier, donc il va falloir la prolonger et étudier son... prolongement ensuite vers une autre part, puisque vous voyez qu'on a un début de voie de tramway qui passe ici, donc on verra bien où est-ce qu'on peut la prendre. Donc ça c'est une chose, et il y a également quelques stations de métro que j'avais disséminées sur cette île historique, et on va voir si on peut en faire également quelque chose, même si pour le coup ça paraît un peu moins réaliste, néanmoins, eh bien ça reste les seuls... moyen de transport qu'on va pouvoir mettre sur cette île là, donc ça me paraît assez intéressant de faire au moins une ligne de métro, et on a aussi une station de métro sur cette grande île ici, donc peut-être qu'il faudra faire quelques aménagements aux alentours de la gare ou dans le centre-ville pour intégrer cette ligne de métro, sachant que ce sera une petite ligne de métro qui aura tout au plus 5 ou 6 stations je pense, voire peut-être 7. Voilà. Bien, alors, j'ai pas mal avancé, hors caméra, bien évidemment. Je voulais vous faire un petit timelapse au départ, mais bon, finalement, j'ai fait des choses en timelapse que j'ai complètement rasé et répète, donc, bah, ça, voilà. Donc, du coup, il n'y aura pas de timelapse, peut-être un petit peu plus tard ou dans un autre épisode. Dans tous les cas, eh bien, j'ai pas mal avancé. Alors, plusieurs choses. D'abord, l'autoroute, bon, c'est largement perfectible, comme vous pouvez le voir. Il faudra qu'on regarde comment... ça marche réellement. Alors attendez, on va hop, virer un petit peu un petit bout d'interface, ça sera plus facile. Vous voyez notamment qu'ici que c'est pas tip top, et donc on verra pour que ça le soit un petit peu mieux. Sachant que poser les autoroutes c'est particulièrement chiant, et notamment les autoroutes classiques hein,
qui s'adaptent réellement au terrain, qui déforment largement le terrain. Dans un sens, c'est plus logique puisque les autoroutes sont relativement planes, mais vous voyez que ça fait des choses un petit peu dégueulasses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé pas mal de viaducs, et finalement je trouve ça assez logique, bien que très 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 coûteux, puisque toute l'autoroute est en viaduc. Mais c'est plus logique dans la mesure où vous voyez qu'on est quand même au bord de l'eau, et que du coup l'autoroute reste hors d'eau, quelles que soient les circonstances, sauf peut-être les différents échangeurs. Bref, donc cette autoroute... Maintenant, elle fait exactement plus ou moins ce que vous voyez à chaque fois dans les débuts d'épisodes, depuis l'épisode 4 ou 5, je crois, sur les maps, elle fait ceci, hop, elle passe comme ceci au niveau de la ville centrale, ça vous l'aviez déjà vu, et surtout elle est prolongée sur toute la côte et jusqu'à l'extérieur. Ici, j'ai pas fait le raccordement, mais dans l'idée, elle continue vers l'infini et l'au-delà par ici. Ça c'est une première chose, et comme vous pouvez le voir, ça irrigue pas mal notre ville, qui pour le moment s'étend uniquement sur ces 4 spots ici. Peut-être qu'il y aura quelques autres endroits un petit peu plus tard. Car oui, ça va être difficile quand même de finir ça en 10 épisodes si je veux aller un petit peu plus loin que juste ces 4 grands endroits. Ça c'est une première chose. Ensuite je me suis un petit peu amusé avec les voies de chemin de fer. Bon, c'est pas parfait, comme vous pouvez le voir ici, le raccordement se fait pas parfaitement, mais globalement, c'est pas mal. Donc, au départ de cette grande gare que vous pouvez voir juste ici, qui est quand même assez fat, hein, que j'apprécie pas mal, vous avez donc deux voies. Tout ça se résume en deux voies. On a ici une petite voie de maintenance qui mène sur rien du tout. On peut imaginer que ça peut être une voie de garage de train. Ici, un petit viaduc avec 6 voies. Là aussi pas mal, un petit échangeur ferroviaire. On peut imaginer également qu'ici il y a des voies de garage. Peut-être qu'on fera un épisode dédié à l'aménagement d'un petit complexe ferroviaire en contrebas de l'autoroute. Ça sera l'occasion de retoucher l'autoroute à cet endroit là je pense qu'on fera ça un de ces quatre aussi, mais ça peut être intéressant à cet endroit là avec donc un complexe ferroviaire qui serait protégé par une sorte de digue de la montée des eaux. Depuis ce complexe ferroviaire là, enfin ce qu'on pourrait appeler cet échangeur, on a une voie qui part vers l'extérieur ici, qui ne relie pas malheureusement le port, parce que je n'ai pas prévu de voie de chemin de fer sur le port, ce qui est assez bizarre, dirons-nous. C'est un gros défaut, et honnêtement, si je veux y remédier, il faudrait que je me casse beaucoup de choses, donc j'ai pas forcément envie de le faire. Mais j'avoue que j'aurais dû y penser bien avant. Ensuite, on a cette voie-là qui fait un grand zigoui, mais l'idée étant de minimiser les ponts, et puis surtout, l'orientation de la gare est pas idéale, mais c'est comme ça, je l'ai fait comme ça, j'aurais dû le faire autrement, mais je l'ai fait comme ça. L'orientation de la gare étant celui-ci, vous avez une voie, donc cette voie de chemin de fer qui passe ici, tac tac tac, traverse cette île-là qui sera peut-être construite un jour de petits villages, et donc on a du coup une voie de chemin de fer sur laquelle on pourra faire quelques petites gares. Qui passe ici vient quelques grands viaducs, et comme vous pouvez le voir, c'est je trouve assez stylé. Enfin, pour ma part, j'aime beaucoup ces viaducs là. Ça habille véritablement notre grande baie. L'autoroute fait un petit peu pustule, mais ça s'intègre quand même plutôt pas si mal que ça. Donc, on a notre grand viaduc qui passe ici, tac tac. Avec, je sais pas si je vous l'ai montré dans le dernier épisode, mais une petite, toute petite gare à cet endroit là. Imaginez que ce sont des TER, là aussi, des sortes de TER. Là aussi, on a un petit souci, j'ai pas réussi à les raccorder, mais hop, on se met à cette échelle-là, on ne voit rien. Et ensuite, donc, comme on avait un viaduc ici, on l'utilise, on en a un autre là, qui vient jusque dans la plaine, au niveau d'une autre gare, et là, on va pas faire une nouvelle ville, mais on va créer un très très grand aéroport. Alors, faudra que je vous amène un petit peu la justification roleplay pour avoir un si grand aéroport. Néanmoins, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez important. On a la première voie de chemin de fer qui est celle qui fait la liaison en fait avec la ville de Punta de Mazalda et qui peut même faire la liaison vers les autres villes du Dunvegan. Et à côté, on a trois possibilités de départ ces 6 voies en fait vont servir à irriguer les différents terminaux de l'aéroport. On aura au moins 3 terminaux et on verra ça dans un prochain épisode parce que j'ai pas forcément envie d'en dire plus tout de suite.
Le tramway, je l'ai légèrement prolongé jusqu'ici, où là on aura un autre petit village qu'on fera dans le prochain épisode, sur cette île notamment. Donc il y aura une petite branche de tram qui viendra jusque-là, hein, bien sûr. Et j'ai enfin terminé l'autre bout de la ligne avec ici un dépôt que j'ai fait comme j'ai pu, on va dire, avec les outils de Cities XXL. Et donc on a ce dépôt-là qui vient, comment dire, agrémenter un petit peu cette pointe de l'île. Et enfin, j'ai fait la ligne de métro comme je vous le disais, ou comme je vous l'ai peut-être dit, je ne me souviens pas. Une petite ligne de métro qui fait un petit zigzag, c'est assez simple, hein, parce que bon, on est quand même dans un milieu assez contraint, qui vient irriguer pas mal quand même le port et le premier centre historique, puis le deuxième avec notamment 4 stations ici, dans cette partie-là de la ville. Et si on superpose à ça le tramway, hop, qui est jusque-là, hop, et puis bon, il y aura une deuxième ligne qui fera comme ceci. On aura quand même une ville qui est pas mal irriguée par les transports en commun. Il faudra qu'on fasse une petite map quand même pour bien s'en rendre compte. Voilà, allez, prochaine séquence, eh bien, nous allons finaliser ce bout de l'île puisque c'est en bonne voie et puis j'ai envie de faire un petit peu de construction pour cet épisode. Allez, c'est parti. Bien, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. J'ai pas mal avancé avec au niveau des transports en commun et surtout, je viens de terminer eh bien, la petite île, cette île-là en fait, qui est maintenant véritablement terminée. À un ou deux détails près, non, même pas. Elle est véritablement terminée. Alors, on a bon ici un grand centre des expositions qui se situe à une proximité immédiate de la gare. J'ai rajouté une petite série de bâtiments ici pour séparer bien la gare de la rue. On peut imaginer que c'est un petit entrepôt pas très 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 large, hein, mais bon, ça fait le taf. Ensuite, il y a ces grandes barres. Certains s'interrogeaient d'ailleurs. J'ai pu voir d'ailleurs les commentaires de l'épisode. Hop. 5, 6, 5, où ces bâtiments existent déjà, ils n'étaient pas exactement à cette position-là, mais bon, c'est les mêmes bâtiments, et ils s'interrogeaient sur la présence de ces bâtiments proches des voies de chemin de fer. Oui, c'est pas forcément l'idéal. Cela dit, c'est des choses qui existent réellement en France. J'ai l'exemple de Tours où il y a tout un quartier comme ça d'habitat social avec des grandes barres, comme on les appelle, qui ont été construites en fait sur des anciennes emprises ferroviaires. Et qui se situe, par voie de conséquence, en fait, au bord des voies de chemin de fer. Donc on peut tout à fait imaginer que cette zone était une ancienne emprise ferroviaire, reconvertie depuis en un nouveau quartier. Ici, avec quelque chose d'un peu plus récent, on peut imaginer que certaines des barres, que ces barres s'étendaient jusqu'ici initialement, et qu'une partie a été détruite, et que ce grand centre des expositions a été construit à sa place. Donc rien de bien méchant ici. J'ai quand même rajouté quelques barres, quelques autres immeubles qui viennent séparer finalement ces barres d'habitation avec les voies de chemin de fer. Et ici, on aurait finalement plutôt des bureaux. Hein. Et là aussi, ça se voit très régulièrement lorsqu'on arrive dans différentes gares. Je prends par exemple Montparnasse, on a aussi Austerlitz, pour les gares que je connais. À Tours, c'est exactement la même chose. Des bâtiments modernes qui se situent immédiatement en bordure de voie. Là encore, ce sont des anciennes emprises ferroviaires qui sont reconverties en autre chose suite eh bien, à la mutation en fait, de toute une zone. De l'autre côté, on retrouve quelques bars, deux seulement, hein, un petit peu quelques bâtiments ici aussi, et on a surtout un dépôt, le dépôt de tramway avec les trams que vous pouvez voir, petite sauvegarde, tac tac tac. Dépôt de tram que vous pouvez voir ici et dépôt de bus juste là. Fallait que je le mette quelque part et j'ai décidé de le mettre sur cette île, donc bah voilà, c'est chose faite. Et pour le reste, eh bien, c'est plutôt un parc parce que ça manquait un petit peu de verdure, donc vous avez voilà, pas mal de végétation et qui viennent prolonger en fait ce tout petit parc qui se situe en centre-ville. Là on a véritablement une emprise un peu plus importante qui est traversée par l'autoroute, donc c'est pas forcément non plus le parc le plus calme du monde. Voilà pour cette zone, je pense qu'on a fait complètement le tour. J'ai rajouté un petit barreau ferroviaire juste là, c'est juste pour assurer la continuité en fait entre les trains qui viennent de ce côté là et qui vont vers l'aéroport, vers le futur aéroport plutôt, et qui n'ont du coup pas besoin de passer et de faire demi-tour en gare centrale.
Donc ils peuvent éviter la gare par cette petite bretelle juste là. Et ça m'a permis de régler 2-3 bugs de liaison par la même occasion, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, pour terminer, je vous montre les réseaux de transport en commun, les uns à la suite des autres. Je vais pas vous faire une carte aujourd'hui, j'en ferai certainement une, parce que ça va être intéressant de les voir superposées. Alors, on va commencer par les lignes de bus. J'en ai construit quelques-unes, comme vous pouvez le voir, donc avec la petite ligne jaune que vous connaissiez déjà. J'ai pu créer une ligne au départ qui passe par la gare et qui vient desservir complètement la zone industrielle juste ici. Ça me paraissait essentiel, même s'il y a le métro, on le verra par la suite. Ensuite, on a deux grandes lignes qui font le tour en fait de l'île, un petit peu à la manière du tramway. Donc vous avez la ligne rose qui fait ce tour-là, et la ligne verte qui suit un peu plus ou moins le même trajet, mais avec quelques variantes de sorte à desservir d'autres endroits de la ville. Et je pourrais pas en faire beaucoup plus parce que, comme vous le savez, il n'y a que des voies piétonnes sur lesquelles on peut pas mettre de bus. Donc voilà, ça se limitera certainement à ça au niveau du bus. Et une dernière ligne qui fait la liaison entre la partie de la ville que nous avons faite dans l'épisode précédent, donc dans l'épisode 6, et cette île principale. Le réseau tramway, il est celui-ci. Il est composé pour le moment de trois lignes. Une ligne bleu clair, on va dire, qui dessert le centre de notre île principale, que j'ai appelée Cuidadoro, Coro, ou un truc dans le genre. Enfin bon, c'est trop compliqué à prononcer, donc... voilà, on va l'appeler l'île principale. Et ensuite, on a deux autres lignes qui vont se suivre et empruntent le même trajet. Une qui est limitée à cette ville-là. Et une autre qui va aller vers la future petite île qui sera construite juste là. Et peut-être que si je fais un petit village à cet endroit-là, ça pourrait être intéressant d'avoir également le tramway. Et on termine avec le métro, tout simplement. Cette ligne ici en S qui vient tout relier et en particulier desservir le véritable centre historique, ce que nous avons construit en premier, mais qui est là aussi l'endroit où nous avons la forteresse et les espèces de petites cascades, etc. Et le port bien fortifié. Ça sera tout pour ce 7e épisode. Un épisode un petit peu plus light au niveau contenu, mais bon, on a fait pas mal de choses. On a surtout fait du lien entre les différentes réalisations des précédents épisodes, et ça, c'est plutôt pas mal. Il reste pas mal de choses à faire, mais je trouve que ça avance pas mal et que ça prend vraiment vraiment forme, que le rendu global commence à être réellement très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 8. Merci et à bientôt.